Karine Ferry, retour sur Rencontre avec Grégory Lemarchal. Le 22 décembre 2004, Grégory Lemarchal entre officiellement dans l'histoire de la Star Academy en remportant la 4e saison du Télécrochet. Adoré du public, le chanteur enchaîne les succès avec des titres comme Écrit l'histoire, Je suis en vie, ou encore Un corps perdu. Côté vie privée, c'est quelques mois après sa sortie du château de Damary-l'Élysée que Grégory Lemarchal officialise sa relation avec Karine Ferry. À l'époque, la jeune femme fait ses premières armes dans l'animation, mais est surtout connue comme étant la finaliste de l'émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire. Inséparables, Grégory Lemarchal et Karine Ferry ont vécu une belle et émouvante idylle jusqu'au décès tragique du chanteur. Survenu le 30 avril 2007. Une histoire inoubliable pour la célèbre présentatrice, qui est revenue sur leur rencontre au cours d'une interview accordée à Paris Match en 2007. Le regard de Karine Ferry n'aurait jamais croisé celui de Grégory Lemarchal si tous les deux n'avaient pas eu une connaissance en commun. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune, Laetitia, qui est aussi notre maquilleuse. Un jour, Grégory appelle Laetitia, sur son portable pendant qu'elle me maquillait. Et elle me dit « C'est Grégory de la Starac ». Sous le choc, Karine Ferry lui répond « Ah oui, il est pas mal, lui ». Après avoir raccroché, Laetitia tente de faire l'intermédiaire entre les deux personnalités. Elle raccroche et me dit « Eh bien figure-toi que lui aussi vient de me dire qu'il te trouve plutôt charmante ». Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai demandé à Laetitia de lui donner vite mon numéro de téléphone. C'était la première fois que je faisais un truc pareil, a confié Karine Ferry. Une semaine plus tard, tous deux se rencontrent pour la première fois dans l'appartement du chanteur. Déterminé à séduire sa belle, l'artiste a sorti le grand jeu en lui présentant un beau plat. Du veau sauté avec des pommes de terre, en réalité préparé par sa mère, je l'ai su plus tard, a-t-elle ajouté. Un souvenir qui restera à jamais gravé dans sa mémoire.